La Guinée avait, pendant la période coloniale, la SIG, la Société Immobilière de Guinée, pour faire les maisons sociales comme dans les pays voisins. Malheureusement, nous n'avons pas continué, contrairement aux autres voisins, donc nous n'avons pas développé une politique de maisons sociales. Ce qui est un très grand malheur pour le peuple de Guinée. C'est pourquoi nous avons lancé, avec la SONAPI, une nouvelle société afin de doter la Guinée de maisons sociales. Nous sommes très heureux que nos amis, après avoir construit Plaza Diamant, qui est pour les grands bourgeois, aient pensé à nous accompagner pour les maisons sociales. Mais nous ne voulons pas commettre les erreurs des autres pays où les maisons sociales deviennent des bidonvilles. C'est pourquoi, à chaque fois que nous devons construire des maisons sociales, nous exigeons que ce soit composité des maisons sociales, des maisons de moyen standing et des maisons de grand standing, à que les populations soient mélangées. Nous nous félicitons donc de cette initiative de la société Gnomaria pour Grosso Manapour, la construction de cette nouvelle ville. Car il ne s'agit pas seulement de construire 20 000 logements sociaux, il s'agit de construire une véritable ville nouvelle avec une administration, des hôtels, les centres de commerce, etc. Et d'après le gouverneur, la superficie est plus grande que la structure de Kaloum. Ça veut dire que plus tard, toutes les populations de Kaloum peuvent déménager ici s'ils veulent. C'est le gouverneur qui a dit, et c'est pas moi. Je ne connais pas la superficie exacte. Donc nous sommes très heureux parce que vous savez, beaucoup de quartiers de Conakry sont des quartiers qui ont été construits avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment des maisons qui sont totalement dépassées. C'est pourquoi dans le programme de Conakry 2040, nous voulons complètement modifier la figure de Conakry. Mais pour cela, il faut d'abord construire des maisons là où les populations peuvent déménager afin de détruire et construire de nouveau. Donc nous sommes très heureux de la pose de la première pierre. Lambaïno Koubaya, Foré Dimi, Anoun Guinée, Gawarebou. Bien sûr, Bangui Tifé Denre, Onikabi Benana, Singi, Anou, Oribou, Yenso. Comme nous avons la délégation de la Fantoudé et Sekoutouréa, nous avons eu le fait que 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 annoncé en lieu de 10 mai, pour que nous fassions la délégation, tous ces gens qui vivent selon nous, nous devons nous faire la bande. Et nous devons nous faire la bande. Nous devons nous faire la bande. Nous devons nous faire la bande. Parce que la bande, la bande, la bande, la bande, la bande, la bande. Et là, rien n'est pas la bande, la bande, la bande, la bande. Donc, nous devons nous faire la bande. Oh là là, rien n'est pas la bande. Il faut ramasser l'année. Au moment où nous devons nous faire la bande, il faut ramasser l'année. On va nous faire la bande. Alors voilà, au moment où on va se dire, il faut continuer le progrès, on va se dire, pour que tu aies un peu de temps, on va se dire, 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 donc, on a tiré, on a dit que c'était un peu de temps, on a dit que c'était un peu de temps, on a dit que c'était un peu de temps, on a dit que c'était un peu de temps, on a dit que c'était un peu de temps, donc, on a dit que c'était un peu de temps, on a dit que c'était un peu de. Merci à nos amis de la Chine. Merci à la société. Vive la population sino-guinéenne. Vive la coopération stratégique entre la Guinée et la Chine. Merci.